Et bonsoir gens, c'est Willy, et on se trouve pour l'épisode 3 de votre Let's Play sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Je vous avais laissé là après avoir fait le deuxième sanctuaire, et donc après avoir débloqué... Après avoir débloqué ce pouvoir, mais je ne sais pas comment... Ok, non. Non. Ah voilà. Après avoir débloqué le sort Tinnitus et aussi Polaris avec le premier sort, enfin avec le premier sanctuaire. Et du coup là, on va devoir attaquer les autres. Et je galère avec mes touches, excusez-moi. Donc il y a celui-là qui est juste là et l'autre qui est un petit peu plus près. Donc je pense qu'on va commencer par celui qui est là. Et comment faire? Ouais, on va monter. Allez hop. Voilà, je recharge ma stamina. Et on monte. On commence tranquillement cet épisode, hein, vous savez. Hein. Tranquillou, on grimpe. On va faire les deux autres sanctuaires dans cet épisode-là et après, bah, on verra. Si on a le temps, on se lancera en dehors du plateau du prélude et... Oh, il y a un marteau. Mais j'en ai déjà un de marteau, moi. Ouais, donc je le prends pas. Non, mais j'en veux pas de ce marteau. Voilà, je vais lui grimper, moi. Bon, c'est tout droit. C'est par là, pour être plus précis. Par contre, ce que j'ai peur, c'est qu'il fasse... Voilà, qu'il fasse froid. Du coup, on va se faire baiser, on va mourir de froid. Heureusement que j'ai pas mal de bouffe sur moi. On va pouvoir se heal. Hop là, je grimpe. Je récupère ce gland. Désolé, Link, va falloir tenir. Serre un peu les dents. En plus, j'ai pas d'endurance. Oh, l'enfer. Bon, ça va, c'est juste à côté. Comme on peut voir la map. Voilà, hop. On prend un petit plat. Genre cette chutney de fruits. Et on court un peu. On va un petit peu courir, hein, parce que, bon... j'ai pas trop envie de manger tout, mais... Oh, merde. Ah. Alors, on va y aller, mais on va éviter de se battre. Ou sinon, on prendra une flèche de feu. Parce que c'est bien sympathique, mais en plus, je vais respawner loin. Je vais vous ellipser ça, mais. Oh là là. Ah non, c'est bon, je spawn juste à côté. Oh la chance. J'ai eu changé d'arme du coup. Changer d'arc aussi. Comment on change d'arc? C'est pas ça que je voulais faire. Oh! Ah! Au secours! Ah! Casse-toi! Ah, il est plus rapide que moi. Casse-toi. Ouf, ouf. Ah. Crève. Ça va pas marcher. C'est bon, il s'est cassé.
Oh l'enfer! Attendez, je vais manger une châtaignée de fruits. Elle est où celle qui me donnait un PV? C'est bon, on y est. Vite! Vite! Oh là là! Oh là là! Comment on saute avec le bouclier? Y a pas une histoire de... Non. Ah! Allez, vite! Non, ça marche pas. Courons. Oh, j'ai pas d'endurance, il me faut de l'endurance. Allez, cours Link, cours. On y est presque. Oh là là! Aïe! Mais le monde veut me tuer ou quoi? Ah, cours. Oh merde! Ah, j'ai pas de... Voilà. Laissez-moi tranquille. Et donnez-moi votre bouffe. Merde. Bon, moi j'ai un champignon grillé, mais... Ouh, ça c'est explosif, faut pas toucher. Ah! Oh, mais il est où ce truc? Voilà, le sanctuaire de Tumisoke. Allez, vite, 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 vite. Je veux pas mourir de froid. Je suis déjà mort trop de fois en trop peu d'épisodes. Allez, allez. Ouf. Eh bien, quelle aventure. On peut commencer à passer. Les piliers de glace, sanctuaire de Tumisoke. Je mets ma tablette Sheikah. Et un nouveau pouvoir. Cryonis fait jaillir de l'eau une colonne de glace, érige de solides colonnes de glace préservées de la fonte. Elles peuvent être utilisées comme plateforme ou comme obstacle. Visez une colonne de glace et utilisez à nouveau Cryonis pour la détruire. Ok. Je regarde un peu autour de moi. Non! Bon bah tant pis. Non, voilà. Ah, mais je confonds ma touche. Ah, il m'a touché B à cause des manettes Xbox. Ou de PlayStation, je sais plus. Voilà, j'aime bien le petit son, il est sympathique. Hop là, ça soulève mon truc. Bon, c'est pas très compliqué. Ah! Ouf. À l'attaque. Voilà. Il est mort. Ah, je le vois. Hop. Et hop. Et il n'y a pas un coffre qui traîne ici, normalement?
Ah, il est là. Zut. Hop. Non. Ah, Link. Sérieusement. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je commence à manquer d'armes. Je sais pas si c'est une arme. Une lance. Je prends. C'est pas le meilleur truc, mais bon. C'est bon, on a tout fait. On peut monter. Et voilà. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu t'es digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Voilà, ça nous en fait 3. Le dernier, je pense, est un des plus simples à avoir. Parce que j'ai fait les deux plus chiants. J'imagine et j'espère. Voilà, le petit emblème du triomphe. Ça me soigne. Ah, c'est cool ça. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Bon, maintenant faut redescendre tout ça. J'ai... Oh là là. Comment vous dire que j'ai une petite idée de comment descendre? Attendez. On va courir un peu. Attention, ne tombe pas. Donc je disais... Oulalalala, le rocher! Il veut m'écraser. Alors, regardons notre map 2 secondes. Vous voyez, il est assez loin, les ruines. Eh bien, j'ai une petite idée, qui n'est pas forcément une bonne idée, mais qui est une idée simple à tester. Déjà, je vais manger une chutney de fruits, ou voilà, une brochette. Casse-toi, toi. J'ai récupéré des ailes. Voilà, je vais là, je fais ça. Casse-toi! Et donc... Ça n'a pas marché. On va retenter ici. Et vous inquiétez pas, je l'ai vu dans un speedrun, cette technique. Bon, ça marche pas trop. Aïe. Ok, ça marche pas du tout. On va se soigner. Et on va se TP. On va se TP ici. Voilà, comme ça on est tranquille. Heureusement j'avais cuisiné, hein, sinon je serais mort 20 000 fois ici. On va se TP, ce sera beaucoup plus rapide. Hop là. Maintenant j'ai plus qu'à descendre. Plus qu'un. C'est ça, monsieur. Allez, on descend les escaliers. Oula, ne tombe pas trop vite non plus, j'ai pas envie que tu meurs. Hop, et hop. Bon, le dernier est par là-bas. Faut que je détruise mes massues bocaux, ou que je trouve mieux parce que là, c'est pas top.
Attendez, j'en vois un là-bas aussi, non? Comment on fait déjà? Non. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc là-bas. Hein. J'ai déjà oublié comment on dit la tablette Chaïka. Oh oh. Cassez-vous. Bon, ils sont intuables. Une vis antique. Ok, il est là. Oh oh. Oh, merde, 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 merde. Ouh, ouh. Ah. Non. Ils sont partout. Ah, je brûle. Oh, l'enfer. Merde. Paf. C'est où? C'est là. Ou pas? Mais il est où ce sanctuaire? Ah, il est là. Vite! Attends, il faut qu'il tire dedans? Je sais pas. Non. Il y a un truc qui me court après. Non. Je vais venir parano avec ce jeu. Hein. Voilà, casse-toi. Casse-toi. C'est bon, on est tranquille. On peut rentrer là-dedans. Je peux un peu passer les cinématiques, hein, parce que... je crois qu'il y a 120 sanctuaires, on va pas le faire 120 fois non plus. Soif de destruction. Sanctuaire de Jabashif ou Jabassif. Jabassif, on va dire. Non, Jabashif. Allez. Un nouveau module. Je pense savoir lequel c'est, hein. Je sais lequel c'est. Et c'est. Roulement de tambour. Les bombes. Elles explosent grâce à un détonateur à distance. Et voilà. Du coup, maintenant, je peux faire... ça. 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 Et... ça. Voilà. Et ça peut nous servir d'arme, donc c'est cool. Oh. Le coffre est là, en tout cas. Il était pas très bien caché. Ah, un espadon. Je prends. Hop, hop. Ça va, ça, c'est, ça peut vite devenir un automatisme. Donc je me rappelle, alors, touche du haut pour changer les modules. Les bombes, tu appuies sur L, t'appuies sur R, t'appuies sur L.
Par contre, je suis bloqué. Ouf. Ah. Paf. Ah, il faut en mettre une deuxième. Paf. C'est bon. Et c'est quoi cette boule? Ah, faut la mettre dans le truc, j'imagine. Ah, mais y a un coffre. Ça me propulse, ça? Ça me propulse. En brubrut. Ah, il y avait deux trucs par sanctuaire. Merde. Non. Est-ce que je peux le... Ok, je peux peut-être le figer, attendez. Voilà. Va là-bas. On va la shooter de notre côté. Je sais pas si ça sera... Oups. Oups. On revient. Voilà. Je sais pas si ça servira à grand chose, mais autant tenter, hein. Qui ne tente rien à rien. Ça rentre dans le trou? Non, ça rentre pas. Non. Mais non. Oh. Voilà. Oh, c'est nul. Bon, on va le prendre, on va le balancer. Ok. C'est bon. Ça l'attache là-bas. Là, je peux monter. La soulever. Et ce que j'ai fait ne sert à rien. Bon, moi j'aurai mon quatrième emblème. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Merci. Et de 4. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. C'est bon, donc on peut partir. Papy va me donner sa paravoile. Ok. Ah, Papa Noël. Tu as obtenu l'emblème du triomphe de tous les sanctuaires du plateau. Oh oh oh. Le moment est donc venu. Link, il est temps que tu connaisses la vérité. Hey. Repère les quatre sanctuaires sur ta carte et représente-toi la croix qui les relie. Je t'attendrai au centre de cette croix. Tu m'as bien compris ? Au centre de la croix qui relie les quatre sanctuaires. Ok, papy. Faut que je m'habitue à les s'enfoncer. Hein. Désolé, j'ai pas l'habitude encore. Hop. Hop. C'est bon. Donc, il avait dit. Au centre. Donc, hop.
Hop, donc là. Attendez, non, ça c'est pas le temple. Ça fait genre tac. Tac. Donc ouais, c'est quelque part là. On va essayer d'aller là. Oh merde. Non, tu m'as pas vu. Ah! 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 C'est bon. Merde! Fuyons! Ouf! Il me court après. Ok, c'est là-bas. Bon, ça, on est juste à côté, mais... Ah, il commence à faire jour. Tant mieux, parce que la nuit, c'est violent quand même ici, hein. C'est pas très gentil, les gens. Allez, on y arrive. C'est bon. Hop. Allez, on monte. Voilà. Je sais pas s'il veut que je le rejoigne en bas ou en haut, mais on va tester les deux. Ah, elle brille. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu les emblèmes du triomphe, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance contre 4 de ces emblèmes. Que souhaites-tu recevoir? Un cœur en plus ou plus d'endurance? Ah, j'aurais plus d'endurance pour l'instant. Et après, on verra pour les cœurs. Tu souhaites recevoir un réceptacle d'endurance? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Réceptacle d'endurance. Cet objet que vous avez obtenu après avoir triomphé d'épreuves augmente la limite maximum de votre jauge d'endurance. Ah! C'est bien, je vois. Plus sprinter et plus grimper. Va et ramène la paix en Hyrule. Ah, papy! Je t'ai entendu, ton paix. Eh bien, il semble que la bénédiction de la déesse t'ait rendu plus fort. Je suis là-haut. Dépêche-toi de venir me rejoindre. Oui, papy. Grâce à mon endurance, je peux monter plus vite. Regardez, hop. 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 Pas trop quand même. Hop. Hop. Il veut que j'aille là? Ok, il est là. Papy! Félicitations, mon garçon. Allons. J'imagine que le moment est venu de te révéler qui je suis. Je m'appelle Roam Bosphoramus Hyrule. Autrefois, il y avait un royaume du nom d'Hyrule. Je fus son dernier roi. Le royaume est tombé il y a 100 ans.
à l'époque du grand fléau. Cela, tu le sais déjà. Quant à moi, je n'ai pas survécu à la tragédie. Mon âme seule est restée attachée aux ruines de mon royaume perdu. Je n'ai pas voulu te raconter tout cela dès ton réveil, alors que la mémoire te faisait défaut. Il m'a semblé préférable de dissimuler mon identité pour un temps. Pardonne-moi. Mais à présent, tu dois savoir. Je vais te raconter ce qui s'est produit il y a un siècle. C'est au sein même du royaume d'Hyrule que Ganon le Fléau a vu le jour il y a bien des siècles, avant de renaître comme l'incarnation du mal absolu. L'histoire de Ganon nous était parvenue sous la forme de lointaines légendes et de récits folkloriques. Mais tout changea le jour où un devin du royaume fit cette prophétie. La terre porte les signes de la résurrection imminente de Ganon le Fléau, mais dans ses entrailles, elle cache également le moyen de le juguler. Guidés par ses paroles, nous avons fouillé la terre, jusqu'à mettre au jour un grand nombre de reliques, fruits du savoir et de la technologie de nos lointains ancêtres. Les créatures divines, quatre gigantesques machines de guerre à l'apparence animale, et une armée de gardiens, des soldats mécaniques, capables de livrer bataille sans intervention humaine. Ces découvertes corroboraient l'histoire qui nous avait été portée par la légende. Celle de la princesse qui possédait le pouvoir de sceller le mal et du chevalier élu de la lame purificatrice. Combattant aux côtés des reliques, ils avaient vaincu le démon de l'ancien temps. Il y a 100 ans, il y avait également une princesse et un preux chevalier au royaume d'Hyrule. Nous avons donc décidé de marcher sur les traces de nos ancêtres. 4 jeunes gens au talent exceptionnel, venus des 4 coins du royaume, furent ainsi choisis pour manœuvrer les créatures divines. Tous furent placés sous le commandement de la princesse et nommés prodiges du royaume. Entourés de ces 5 prodiges, la princesse avait désormais toutes les chances de parvenir à endiguer le fléau. Pourtant, lorsque Ganon ressurgit finalement des entrailles de la terre, sa manœuvre nous prit tous par surprise. Même du château d'Hyrule, prit le contrôle des gardiens et des 4 créatures divines et les retourna contre nous. Les prodiges qui pilotaient les créatures périrent en même temps que les habitants du château. Quant au chevalier, il défendit la princesse jusqu'au bout avant de s'effondrer. C'est ainsi que le royaume d'Hyrule fut dévasté par Ganon, le fléau. Seule, la princesse avait survécu. Et seule, elle fit face au terrible Ganon. Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qui nous reste. Je t'en prie. Cette princesse, c'est ma fille Zelda. Quant au chevalier qui l'a protégé jusqu'à la limite de ses forces, eh bien, c'était toi, Link. Tu as combattu vaillamment ce jour-là jusqu'à la mort. Par chance, on a pu te conduire au sanctuaire de ce plateau. Il a fallu un siècle entier pour que la vie coule de nouveau dans tes veines. La voix qui t'a guidé à plusieurs reprises depuis ton réveil est celle de ma fille. Elle lutte. Elle oppose à Ganon une résistance sans faille et le garde enfermé, prisonnier des murs du château.
Seulement, le pouvoir de Zelda atteindra bientôt ses limites. Quand elle ne pourra plus le retenir, le monstre retrouvera sa forme originelle et s'abattra sur Hyrule de toute sa puissance. Je sais qu'un roi qui a si mal protégé son royaume n'a pas le droit de demander une telle faveur. Mais je n'ai pas d'autre choix. Détruis Ganon. Mon peuple et ma fille ne peuvent plus compter que sur toi. Mais tu dois savoir que les quatre créatures divines sont toujours sous l'influence de Ganon. Quant au château d'Hyrule, il est toujours défendu par une armée de gardiens. Atteindre le château dans l'état où tu te trouves relèverait du miracle. C'est pourquoi je te suggère de commencer par te rendre dans un petit village à l'est d'ici. Il s'agit du village de Cocorico. C'est là que vit une femme nommée Impa. Elle saura t'indiquer le chemin à emprunter. La carte de la tablette Sheikha indique l'emplacement du village de Cocorico. Commence par traverser les monts Géminé. Puis, prends la route qui part vers le nord. Eh ben dis donc, sacré cinématique, hein. Et on va pouvoir terminer l'épisode sur ça. Je termine juste le dialogue avec le monsieur. Bien, comme promis, tu peux prendre ma paravoile. Ça, ça va nous aider. Cadeau du roi d'Hyrule qui vous permet de glisser dans les airs au gré de la brise. Appuie sur X en plein saut pour la déployer. Grâce à elle, tu vas pouvoir t'élancer depuis les falaises de ce plateau. Je n'ai désormais plus rien à t'apprendre, je le crains. Je compte sur toi, Link. Quête principale, abattre Ganon. Ouais, bah le premier objectif, ça va être quand même d'aller voir Impa. Juste, je vais enlever la balise du coup. Enquête d'Impa. Voilà, on ira là-bas. Mais on ira dans le... Attendez, je m'approche d'un mur. Dans le... Non, merde. Dans le prochain épisode. Parce que là, ça fait un épisode assez long. Et comme ça, on pourra reprendre en quittant le plateau du prélude. Ça sera génial. J'ai très hâte de faire cet épisode. Du coup, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Ou si vous avez des petites astuces, des petits trucs que j'ai raté. Ça pourrait m'être vachement utile. Et puis je pense que c'est le let's play qui se porte à des petites interactions entre vous et moi. Et sur ce, je vous laisse là. À très bientôt.